Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici en direct depuis le salon Agrimax à Metz. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la hausse des prix du blé en Inde. Nous ferons ensuite un focus sur les difficiles conditions climatiques en Argentine avant de nous intéresser à la nouvelle correction des cours du colza. Enfin, nous ferons un point sur les exportations russes de blé depuis le début de la campagne. Les prix du blé en Inde ont fortement rebondi à l'échelle locale. Pour rappel, l'Inde est le deuxième plus gros pays producteur de blé dans le monde, mais il consomme la quasi-totalité de sa récolte. Selon les années et les volumes disponibles, l'Inde se positionne à l'importation ou aux exportations. Cette année, la production locale est estimée à 113,5 millions de tonnes selon l'USDA, mais les stocks s'affichent sur des niveaux particulièrement bas. Face à la hausse du marché local, le gouvernement indien réfléchit à mettre en place des mesures limitant la consommation. Mais attention, à plus long terme, des importations indiennes de blé pourraient également créer un déséquilibre sur les bilans mondiaux. Les conditions sèches et chaudes persistent dans le cœur de la zone de production de blé en Argentine. Le développement des cultures est difficile et seulement 11% des surfaces sont notées en bonnes conditions, soit quasiment le même pourcentage que la récolte catastrophique de l'an passé. Les opérateurs revoient peu à peu leurs estimations de production à la baisse, si bien que la récolte pourrait être inférieure à 15 millions de tonnes contre les 16,5 millions de tonnes encore estimées par l'USDA. Le retour des pluies depuis le début de la semaine rassure les opérateurs, mais elles devront se poursuivre pour réellement pouvoir inverser la situation. Le marché du colza a marqué une nouvelle correction ces derniers jours avec un repli de plus de 20 euros par tonne en l'espace de seulement une semaine sur Euronext. Il faut dire que les risques de production chez les principaux producteurs mondiaux se sont peu à peu dissipés et les volumes disponibles sont plus importants que prévu, aussi bien au Canada qu'en Europe. De plus, l'Ukraine est à l'origine d'une récolte record de colza cette année, au-dessus de 4 millions de tonnes, assurant ainsi un flux régulier de graines en provenance de l'Est. Enfin, l'amorosité du marché de l'huile met également la pression sur les prix de la graine. 19 millions de tonnes, c'est le volume de blé russe exporté depuis le début de la campagne en juillet, soit 4,6 millions de tonnes de plus que l'an passé à cette même date. Il faut dire que les volumes disponibles sont importants et la compétitivité de l'origine russe depuis le début de la campagne permet d'alimenter la majorité des besoins des importateurs d'Afrique du Nord. La Russie pourrait ainsi exporter 50 millions de tonnes lors de la campagne en cours, soit une augmentation de 15 millions de tonnes sur les 5 dernières années. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.